Bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing encore une fois. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing de ceci, en fait. Donc c'est une vidéo à part entière où c'est qu'il y aura ces deux trucs là. Et c'est cool parce que je les ai reçus. Alors, je devais recevoir d'autres trucs dans d'autres vidéos. Vous aurez tout de suite sûrement des images à l'écran de ce que je devais recevoir. Et ben, comment dire? Les colis ont été perdus. Alors oui, ces colis ont été perdus. Alors bien évidemment, j'ai été remboursé aujourd'hui alors qu'ils ont été perdus hier. Donc bon, c'est quand même assez intéressant, mais bon, c'est un peu relou. Donc c'est pas grave, aujourd'hui on va se consacrer sur ces deux trucs-là et on va les ouvrir ensemble. Alors j'ai toujours avec moi mon ciseau, ma pète, vous inquiétez pas. J'adore ma pète, je sais pas pourquoi. Donc on va l'ouvrir. Alors comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, maintenant les unboxings, je ne les ouvre plus directement avec le gros carton. Surtout que là, le carton était réellement gros. Je les ouvre directement avec les boîtes des colis. Donc voilà. On va faire pareil avec le deuxième. Sauf que le deuxième, pas besoin de ciseaux. Juste besoin de retirer du scotch. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Hop là. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal de trucs. Alors, vu que je suis membre Amazon Prime, ceci, je l'ai payé 30 euros moins cher que vous, vous le payerez si vous n'êtes pas membre. Enfin, j'aurais dû le payer 20 euros moins cher, mais vu qu'il y a une promo, je le payais 30 euros moins cher. Bref, donc c'est quand même assez avantageux d'être membre Amazon Prime. Et du coup, bah, on va commencer par ceci, je pense, en fait, parce que ça, c'est carrément l'appareil. Et ceci, c'est un adaptateur pour le relier à Internet, puisque bah, sinon, lui, il fait du Wi-Fi. Et le Wi-Fi dans ma chambre, c'est qu'à mon setup. C'est pas génial. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On va pousser l'autre carton. On va ouvrir ça. Donc Ogwin, j'ai déjà eu affaire avec leurs produits. C'est des produits de très bonne qualité. Donc c'est pour ça que j'ai repris chez eux. Parce que réellement, c'est des colis de très bonne qualité. Alors les boîtes sont pas forcément magnifiques. Mais les colis à l'interne sont très bien emballés et de très bonne qualité. Donc hop. Donc voici le colis. On voit rien à travers le sachet. C'est génial. Je vais ouvrir tout simplement le sachet. Hop là. Ok. Donc on a le colis. On a le colis qui est... Bah voilà. Donc vous pouvez voir, alors je vais juste retirer les trucs de protection pour que je puisse vous le présenter et que ce soit plus beau lors de la présentation. Voilà, comme ceci. Et il n'y a que ça comme protection. Ok. Donc en fait, ici tout simplement, on a un port RJ45 qui permet de connecter un câble Ethernet. Et ensuite, nous voyons bien ici qu'il y a deux câbles qui partent de ce port. Ces deux câbles partent vers une alimentation USB, donc secteur, et vers une alimentation micro USB pour alimenter tout simplement le Fire Stick ou tout simplement pour alimenter un portable. Je pense que ça peut marcher avec un portable. Je sais qu'il y a des adaptateurs comme ça pour portable, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour portable. Donc on va tout simplement le retirer. Alors je sais pas du tout quelle taille ça fait. J'espère que ça sera assez grand pour mon système. Ouais. Je regarde un petit peu. Ça pourrait clairement. Je regarde. Ça pourrait être assez grand. Après, vu que j'ai beaucoup de câblage, ça va quand même pas mal tirer. Mais c'est quand même intéressant puisque regardez, je vais prendre un câble RJ45 qui dépasserait. Voilà. Regardez, voici mon câble Ethernet. Je le branche. Voilà. Voilà. Ça y est. C'est quand même assez intéressant. Comme petit produit. Hop. Voilà. Je vais remettre mon câble là. Et du coup, on va passer à l'autre produit tout de suite, en fait, puisqu'en fait, ça, c'est tout simplement un adaptateur pour l'autre produit. Donc, on va y passer tout de suite. Alors, on a une petite truc là qui se retire comme ça. Je tombe de plus en plus sur des colis qui se... Le scotch se défait facilement. Et ça, c'est cool parce que, bon, voilà. Bon, en même temps, je monte un peu le prix des colis aussi maintenant. Mais bon. Ok. Donc, on a une boîte encore interne. Voilà. On va déballer. Ok. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que je vois qu'il y a un truc. Ok, d'accord. Donc, ici, c'est un... doit être un câble encore une fois. Ok, donc là on a sûrement les notices, les garanties, etc. Ok, c'est ça, hein, comme tout produit. Et là du coup on va retirer ça. Alors là on a le câble alimentation
vers micro USB, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, on va remplacer ce câble par l'adaptateur que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ce câble pourra rester dans sa boîte, hein, c'est pas un problème. Alors, ici, elle est fournie avec, et ça, c'est cool, nous avons une rallonge HDMI, donc vers HDMI femelle, vers HDMI mâle. Vous verrez tout de suite après pourquoi j'en ai besoin, moi. Vous verrez tout de suite pourquoi ils en ont donné une, en fait, simplement. Ici, nous avons un adaptateur 7 heures qui va beaucoup m'aider, puisque avec l'adaptateur, il n'y a pas eu d'adaptateur 7 heures, en fait, vous m'avez compris. On va retirer tout de suite les petites protections. Hop, voilà, comme ceci. Ah, voilà. Alors, moi, mon setup est assez plus dans les couleurs noires et un peu dans le blanc. Là, c'est vrai que ça ressort bien, avoir beaucoup de noir et un peu de blanc. C'est vrai que c'est pas mal. Enfin, il y a aussi l'éclairage est bleu et le visuel est bleu et un peu noir et un peu blanc. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Ok, donc on va sortir tout de suite maintenant la télécommande, puisque bien évidemment il y a une télécommande, c'est logique, c'est pas un décodeur, mais ça peut servir entre guillemets de mini PC, quoi, de décodeur, de ce que vous voulez, même si ça ne fait pas du tout la même fonction qu'un décodeur, c'est logique, hein, ça, clairement, voilà. Voilà, on a la télécommande, elle est magnifique, c'est vrai qu'elle est quand même assez belle, au toucher, ouais, les touches sont pas si... Voilà, vous m'avez compris. On va sortir tout de suite l'appareil en question. Donc, réellement, c'est ça. Donc, voilà. On a l'appareil qui coûte le plus cher. C'est pas le plus cher de mon setup, hein, pas du tout. Hop, voilà, je vais le sortir. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi on a besoin. J'ai besoin d'un adaptateur HDMI. Enfin, de la rallonge HDMI. Puisque moi, je vais pas le brancher sur un écran. Je vais le brancher directement sur un switch HDMI. Du coup, de brancher ça sur un switch HDMI, c'est chaud. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fourni un truc pour le brancher comme ça. Et là, vous avez un câble, tout simplement. Donc, c'est quand même intéressant. On va peut-être le retirer. Voilà. Ah, ça pue le caoutchouc, ça pue le neuf. voilà, nous avons aussi apparemment deux piles. Si j'arrive à les retirer, voilà. Deux piles pour la télécommande, bien évidemment, hein. Des piles Amazon basiques, puisque Amazon fait tout de même, c'est connu. non mais voilà, donc voilà, cool. On va pouvoir tout simplement les mettre dans la télécommande. Alors, comment s'ouvre la télécommande? Peut-être, attendez, si c'est la première fois que je l'ai, moi je dirais qu'il faut tirer comme ça, mais ouais, je sens que ça tire un peu, mais ouais, voilà, c'est ça. Peut-être fallait juste passer un petit peu dedans. Et tirer. Du coup, là, on a tout pour mettre les piles. Alors, plus vers le haut. C'est bien cela. Donc, plus. Plus. Et du coup, là, la télécommande est fonctionnelle. On n'a aucun indicateur LED dessus pour savoir qu'on appuie sur les boutons quoi. Donc, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir tester tant que ça. Ça ne sera pas branché. Et vu que on m'a perdu les autres trucs, bah, je ne pourrais pas le tester aujourd'hui. C'est génial parce que j'avais commandé d'autres trucs exprès pour pouvoir le brancher. Et ben, vu qu'ils ont été perdus, bah voilà. Donc, on va remettre simplement le câble que je vous ai dit qu'on n'aura pas besoin dans le truc. Alors, comme tout unboxing, vous aurez tout dans la description, vous inquiétez pas. Voilà, on va remettre ça dans sa boîte, puisque, comme je vous ai dit, je n'en aurai pas besoin. Alors, et on va refermer la boîte. En tout cas, boîte très belle, hein, je trouve, clairement. Très très bien faite. Alors, par contre, je vais dire. Risquer de galérer à la fermer. Voilà, voilà, non, c'est bon en fait. Hop, voilà. Donc, on va tout remettre dans sa boîte d'origine. Puisque moi, en fait, je garde tout le temps les boîtes en fait. À chaque fois, je sais pas pourquoi, mais je garde les boîtes. Peut-être ouais, pour les garanties, tout ça quoi. Et donc, du coup, bah, j'aime bien que les boîtes à l'interne soient bien rangées comme je les avais eues au départ. Du coup, c'est pour ça que. Chaque fois, je range correctement. Hop, hop, sauf qu'en général, je le fais en hors cam. Mais là, je l'ai fait avec vous, mais je l'ai fait hors du champ, donc je me sens un peu con. Ok, donc on a du coup tout ce qu'on avait besoin. On va juste tester pour voir si c'est bon ou pas là-dessus. Normalement, oui, mais bon, vous savez, hein. Alors, du coup, là, on va brancher. Alors, ouais,
On a un petit truc là qui doit sûrement se retirer, je pense. Ah non, qui se retire pas, mais qui permet de... Bah, je vais le mettre tout au bout parce que moi, j'ai pas besoin de ça. Et du coup, bah, ça me prend du coup deux trucs. En fait, c'est pour raccrocher les câbles ensemble. Donc, ouais, je ferai en fonction de l'installation sur mon setup pour pas de s'attirer trop, etc. Ça, c'est intéressant en plus. Est-ce que ça se branche correctement? Parce que ça, c'est la question. Ah non, oui. Et oui. Donc, ça se branche sur l'Amazon Fire Stick. Et c'est cool. Donc, je vais brancher ça à une prise tout de suite. Hop, via l'adaptateur qu'ils m'ont fourni juste avant. Hein. Je vais le mettre sur une prise qui est dispo. Puisque moi, chez moi, les prises disponibles, elles sont très très rares. Voilà, ça devrait aller. Et du... Ah oui, du coup, ça peut étendre. Ah! Bah oui, en fonction de moi, ça peut m'étendre l'installation finalement, puisque regardez. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça va l'étendre vers là-bas. Ça, c'est cool. J'avais pas pensé à ça quand je l'ai pris, mais intéressant. Et du coup, on va essayer de voir en manchant du coup l'Ethernet. Alors, du coup, ouais, le câble est très très court. Hein. Mais Ouais. Le câble est très très court, mais c'est pas grave. On se retrouve tout de suite, je fais ma petite installation. Oula, ouais, je vais mettre comme ça on me voit bien. Non, je vais éviter, je vais sortir du champ. On se retrouve tout de suite, le temps que je fasse ma petite installation, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc on est de retour, donc je vais brancher l'Amazon Fire Stick pour que vous puissiez voir l'animation du début, puisque oui, moi je l'ai vu, je suis désolé. Alors, ouais, tout est bien branché là-bas, j'ai branché l'adaptateur et tout. Alors, vous allez voir. Non. Si. Ok, la LED de mon écran a changé, voilà. Donc, je sais, la qualité est pourrie, je suis désolé, mais j'ai pas d'enregistreur d'écran sur l'écran directement en HDMI ou quoi, donc... je suis désolé. Waouh. Mais c'est stylé quand même. Alors, attends, quand je l'ai foutu là, je vais essayer de pas passer devant... Je vais passer devant, mais c'est pas grave. On va faire un petit peu ce qu'il nous demande. Alors oui, quand il y aura du son, vous allez avoir mal aux oreilles. Mais je vous préviens, parce que ça va sortir des enceintes, vous allez entendre bientôt. Normalement. Voilà. Ouais, c'est fort, ouais. Ouais. Ça sort toutes les enceintes, les deux enceintes que vous voyez à côté de mon écran, et des enceintes qui sont aussi placées au-dessus de mon bureau. Donc, voilà. Donc, quel push ils m'ont dit ? Pause, ok. Ok, donc choisissez votre langage. Ok, donc on va choisir. Non. Mec, je connais pas l'italien, mec. Putain. Non, mais je viens de le débrancher quand même. Ouais, je suis un mec comme ça. Moi, je débranche mes appareils quand ça va pas. Ouais. Non, mais. Mec, comment ça, ça va cliquer? Ah, parce qu'au milieu, c'est un bouton. Ah, j'avais pas fait attention. Ah, merde. Ah non, mais s'il se lance en italien, je suis dans la merde. Ok. Apparemment, il a l'air de se redémarrer au complet, donc je pense que... Je pense qu'il a pas capté que je lui avais demandé italien. J'espère. Ok, donc... Est-ce qu'il change les langues, là, au milieu? Ok, donc c'est bon, il a pas... Ok, choisissez votre langage. Là, on va faire très attention. Français, France, là. Bah, mec, t'es branché en Ethernet, là. Hein. Ah oui, configuration d'une connexion Ethernet. D'accord, j'ai compris. Non, mais d'accord. Ah, d'accord. D'accord, j'ai rien cliqué. Hein. Mettez pause si vous voulez savoir ce qu'il y avait écrit. Moi, j'ai enregistré. D'accord. Alors oui, alors il y aura un petit écran noir pour Amazon Fire Stick qui est enregistré pour souhaitez-vous utiliser ce compte? Oui, continuez en tant que ou modifiez votre mon compte. Donc oui, continuez en tant que moi, ça, oui, c'est sûr. Ok, donc c'est bon. Donc votre Fire Stick TV, enfin votre TV, vous m'avez compris, Fire TV Stick est conçu pour les enfants et les parents. Le contrôle parental vous permet d'utiliser un code PIN avant de lire des vidéos Amazon ou d'acheter des vidéos, applis ou éléments in-app avec Amazon un clic, one click. Votre sélection ci-dessous s'appliquera aux achats et vidéos Amazon
sur cet appareil, à moins de modifier cela dans paramètres, préférences, contrôle parental. Alors mec, je vais pas mettre un contrôle parental pour moi alors que je suis un gamin. Voilà, hein, les gars. Survolons ensemble votre Fire TV. Profitez de vos séries et films préférés sur Netflix, Amazon Prime Video et bien plus encore. Téléchargez des applications pour votre Fire TV directement depuis l'App Store. Parcourez facilement les épisodes et les recommandations grâce à la télécommande. Utilisez simplement l'anneau externe pour naviguer et appuyez sur le bouton central pour faire votre choix. Grâce à l'application gratuite Fire TV Remote, vous pouvez utiliser votre smartphone pour contrôler votre Fire TV. Et dans les régions éligibles, Fire TV s'enrichit avec Amazon Prime et Amazon Prime Video. Votre abonnement vous permet de regarder les séries Amazon originales, ainsi que des centaines de films américains et séries TV populaires. Profitez dès maintenant de votre Fire TV par Amazon. Ok, c'est bon. Ok, ça a fini. Ok, bon. Petite vidéo de présentation, c'est sympa. Ok, donc j'y étais directement là-dessus. D'accord. Ok. Il va sur YouTube. Il n'y a pas YouTube. Je crois que si. Hein. Ah non, elle lit pas. Merde. De toute façon, ça allait être utile à YouTube. Hein. Ça, je le savais, mais c'est pas un problème. Bon, Firefox, tu es où? Ah si, YouTube.com. Ah d'accord. Ah mais faut la télécharger, d'accord. Donc ok, donc pour lancer c'est qu'elle touche celle-ci, j'ai vu. Loading YouTube. Ok. Ouais, donc à partir du voilà, vous pourrez continuer à profiter des vidéos des créateurs. Ok. Attendez, on va se mettre une belle petite truc no copyright pour voir. Alors c'est le même YouTube que sur Xbox, hein, je viens de voir l'interface. Non, c'est pas ça, qu'est-ce que je fous. On va se mettre, je sais pas, je les connais pas, celles-ci elles viennent de sortir donc je les connais pas trop. Ah bah, d'accord. J'appuie au milieu sans faire exprès, on va voir ce que ça donne. Pause. J'aimerais avant tout vous prévenir que j'ai lancé une musique sur YouTube. Sur mes enceintes placées près du micro. Et donc, que vous risquez d'être sourd après cette séquence, je vous recommande donc de baisser ou de couper le son. D'accord. Bonjour. Alors oui, j'ai complètement retourné ma chaise et j'ai appuyé dans le dos. Vous l'avez peut-être pas vu. Sauf, je crois qu'on voit un peu un reflet dans l'écran. Je sais pas. Mais ouais, c'est pas mal. C'est intéressant. Donc ouais, c'est pas mal. Alors Netflix. Bah, je crois que tout le monde l'attend. Hein. Je crois que voilà. J'ai envie de dire. Alors, on va se mettre du petit Spotify aussi. Hein, on va mettre la base. Attendez les gars. Bon, il n'y a que 8 Go de stockage interne, donc je vais peut-être pas. Non, c'est pas ça. Je vais peut-être pas abuser. Ouais, voilà, ça m'a rajouté au Spotify parce que je l'avais pas. Et du coup, Netflix, moi je peux le lancer. Non, pas encore. Téléchargement en cours. Mec, t'es branché sur un adaptateur 100 mégas par seconde là. Oui, parce que de toute façon. C'est largement suffisant parce que je vais même pas faire du plot ou quoi sur cet appareil. Donc c'est largement suffisant, 100 mégas par seconde. En fait, je crois qu'il n'y avait même pas d'adaptateur de façon 1000 mégas, donc bon. Donc en tout cas, très bon appareil. Bon, de toute façon, on va pas en faire le tour aujourd'hui, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais ouais, c'est vrai que très très bon appareil. Alors, je sais pas si... Je pense pas que ça me lie directement à mon compte Netflix. On va voir ça. Ok, donc Spotify, il s'est mis aussi. Ouais, non, ça me met pas...
Ça met pas directement mon compte, ça c'est un peu... Bon, bon c'est pas grave, hein, mais bon. Bon, ça aurait été bizarre quand même, tu vois, ça m'enlève directement mon compte. Mais bon, notification. Quoi ? Astuce, ok, ouais, non, bon, je m'en fous. Alors oui, j'ai reçu un email quand j'ai branché le Fire Stick, donc je sais pas si ça l'a fait tout seul ou si tout simplement c'est automatique parce que j'ai été livré ce matin. Mais en tout cas, c'est intéressant que je reçoive un email pour me dire comment on s'en savait et tout ça. Bon, moi, en l'occurrence, je l'ai pas regardé, donc... Ok, donc là, non, j'ai pas besoin. Fichage et son... Miseur d'écran, c'est quoi ça? Ah! Alors, attendez. Attendez, ça c'est zoom. Ok, donc ça zoom. Ça c'est quoi? Dissolve. D'accord. Attendez, mosaïque. D'accord, donc ça c'est... Non, en fait je sais pas. Donc ça c'est zoom. Ok, ça dissolve. Ça fait comme ça. Mosaïque. D'accord. Ah d'accord, on va rester sur zoom. Alors, medium. Start time. D'accord, non, je sais pas. Et shuffle, là je sais pas ce que ça veut dire, donc on abandonne. Mais il y a quand même... Ah, activer le partage d'écran. Oh. Oh. Ça, c'est cool, ça. Ça, je vais pas mal m'en servir, ça. Ça va être cool, surtout sur YouTube, en fait, finalement, puisque vu que... Bon, voilà, on est de retour. Alors, bon, faudra que je trouve dans les paramètres comment on fait pour désactiver les 10 minutes, parce que je me suis encore fait avoir par ces 10 minutes. Donc, ouais, donc comme... J'ai été voir un petit peu, j'ai trouvé un peu dans les paramètres hein, pendant ce temps-là. Et j'ai vu qu'on pouvait activer le partage d'écran, en fait, je vous le dis, parce que je sais pas si ça l'a enregistré. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait mettre des jeux, bon, ça, je le savais. Le partage d'écran aussi, je le savais, mais voilà, ça va être, c'est un truc qui va me servir beaucoup. Et comme je l'ai dit, surtout sur YouTube, en fait, puisque bah, YouTube n'est plus disponible en janvier 2018. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est vrai que... Alors, attendez, je vais juste mettre Firefox... Puisque je crois pas voilà que je l'ai puisque ça peut être pratique aussi. Et donc voilà, donc bon bah voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne, voilà, et puis tout simplement. Alors est-ce qu'on peut pas genre ouais passer à l'avant, déplacer, je suppose que déplacer je peux, ouais voilà comme ça. Bon, moi je vais pas le faire en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'on puisse faire ça un petit peu. Et donc bah voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les produits vous plaisent. Vous aurez tout dans la description, vous aurez même le moyen de vous mettre membre Amazon Prime dans la description, puisque bien évidemment là, ça parle d'Amazon Prime. Et voilà, donc le truc Amazon Prime, c'est 5,99€ par mois ou 49€ l'année. Donc, ou alors vous avez 30 jours d'essai gratuit comme moi. voilà, même si je pense continuer l'abonnement, mais bon voilà, je... Voilà. Bref, donc en tout cas, je vous dis, bah voilà, déjà j'espère que ça vous a plu, hein, comme je vous ai dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour le petit travail effectué, et puis pour l'achat quand même, hein, faut bien rentabiliser, hein, regarder la vidéo 1000 fois, parce que bon, ça coûte cher à un moment, hein, non, je gueule. Un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé, etc. Ou à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, puisque je fais pas mal de vidéos dans ce genre-là, et je fais aussi du gaming, donc voilà. Et puis bah moi je vous dis à plus les amis. Allez, à plus.